It's the 10th episode. It's the season finale of Double Date. Yes. Your testimony matters. Franchement, ça a été matters. Et ça a été une saison incroyable. Incroyable. Vraiment, tout simplement incroyable. Yes. Tout simplement incroyable. Tout Woo! Simplement incroyable. Alors, nous sommes de retour pour cette deuxième partie. We're back, part two. De notre dernier épisode de la première saison seulement. Hein. Ça veut dire qu'on va revenir, ok? Faut pas être triste, là. Faut pas être triste. C'est juste la fin de la première saison. Et vous savez que quand on finit quelque chose, parce qu'on va commencer quelque chose d'autre de nouveau. Nous, on reste jamais assis là à se tourner les pouces. Et non. On est toujours dans cette mission au travers de couronner d'amour, de préparer les célibataires et équiper les couples afin qu'ils aient ce mariage solide, harmonieux et influent. Nous sommes arrivés à accomplir cette mission grâce en partie au Double Date et nous allons continuer avec de nouvelles activités. Alors vraiment, nous t'encourageons à pouvoir rester connecté. Ce n'est pas la fin. Et de toute manière, même les Double Dates, c'est juste la fin de la saison 1. Comme j'ai dit, ça veut dire qu'on va revenir pour une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième saison. Comment le Seigneur va nous orienter. C'est ça. C'est All ça. Right? Super. Alors, les gens nous demandent quand nous vous tiendrons au courant. Soyez patients, restez connectés et préparez-vous pour les prochaines activités. Magnifique, magnifique, magnifique. Alors, comme on a dit au début de la dernière vidéo, en fait, de la première partie, vraiment, nous sommes les Kumpesa, Nifa et Joey Kumpesa. Vous pouvez nous retrouver sur notre site www.couronnedamour.com. Rejoignez également nos plateformes privées pour nous pouvoir avoir du soutien de notre part. Mm-hmm. Personnellement, donc vraiment, les hommes sur la plateforme des hommes distingués au www.hommesdistingués.com et pour les femmes sur la plateforme Femmes Exceptionnelles au www.femmesexceptionnelles.ca. Voilà. Alors, super, on voit vos commentaires, c'est magnifique. En tout cas, continuez de partager ce live. Partagez ce live. Dans la première partie, nous avons eu la chance de pouvoir accueillir deux couples que nous-mêmes, on ne connaissait pas. Nope. Vraiment, on a dit que pour cette 10e émission, ce sera spécial. Spontaneous. On peut vous entendre, vous qui nous suivez des quatre coins du monde. On a eu deux couples qui étaient d'ailleurs de l'autre côté de l'océan, en Europe. Et vraiment, ils nous ont édifiés rapidement. C'était short and sweet, comme on dit. Rapidement, mais c'était puissant. Mm-hmm. C'était vraiment édifiant. Ils nous ont partagé des conseils. En partageant leurs témoignages, vraiment, on a reçu des conseils très, très forts. Alors, on vous invite, si jamais vous n'avez pas écouté la première partie, you have to listen to it, absolutely, okay? Absolutely. On continue avec le programme. Donc, deuxième partie. Donc, cette fois-ci, on va encore inviter un couple qui va venir nous partager son témoignage en bref. Et ensuite, on va prendre le temps de faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire sur les réseaux sociaux. C'est vraiment de répondre à vos questions, ok? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas sur les réseaux sociaux? Parce que pour la plupart, vous avez des questions qui viennent, en fait, toucher votre vie personnelle, ok? Ça peut concerner votre couple, ça peut concerner vraiment des aspects personnels de votre vie. Et c'est pour ça qu'on a mis sur pied les groupes privés. Dans ces groupes privés, c'est pas ouvert à tout le monde, c'est seulement pour les personnes qui se sont inscrites. C'est là que vous pouvez vous sentir à l'aise d'exposer votre vie. Les choses que les femmes partagent au travers de ces groupes sont des choses extrêmement personnelles. Et les conseils que je donne, moi-même quand je conseille, j'aime conseiller en partageant des aspects personnels de ma vie afin d'édifier. Pas juste pour m'exposer, mais réellement pour édifier. Et je peux que le faire au travers de cette plateforme privée. Et même chose pour Joey. Mais ici, on va quand même répondre à vos questions en bref, sans rentrer trop en profondeur pour ne pas vous exposer, évidemment. Mais quand même, on va pouvoir vous donner des réponses pour que vous puissiez aller de l'avant. Alors, c'est ouvert vraiment à tout le monde. C'est pas seulement pour les couples. C'est même pour les célibataires. Tout à fait. C'est pour les hommes distingués ou bien pour les femmes exceptionnelles. C'est vraiment pour tout le monde. Ouais. Alors, du coup, on met vraiment de nous-mêmes à l'intérieur. Là, dans les réseaux, vous nous connaissez quand même, mais vraiment dans les groupes, on rentre vraiment en profondeur. Nous-mêmes, on est vulnérables. On vous explique des choses, les moments les plus sombres peut-être même de notre vie. Mmh. Et on le partage vraiment dans les groupes privés. Pourquoi? Parce qu'on veut créer un environnement où est-ce que, effectivement, ton couple ou bien ta situation va réellement changer. Yes. Voilà pourquoi c'est réellement privé. Ici, on va rire, on va partager et tout et tout. Mais comme on l'a dit, aujourd'hui, exceptionnellement, on va répondre à vos questions. Ouais. En tout cas, le maximum qu'on pourra répondre aux questions.
questions, mais sinon, tout se fait dans les groupes privés. Exactement. Et tout le monde est en train d'écrire comment on accède à ces plateformes. C'est facile. Pour les hommes, www.hommesdistingués.com. Hommes au pluriel, distingué au pluriel aussi et sans accent, s'il vous plaît, .com. Pour les femmes, www.femmesexceptionnelles.ca. Femmes au pluriel, exceptionnelles au pluriel également, .ca. Tout est au pluriel. Si vous suivez cette vidéo sur YouTube dès ce soir ou dès demain, vous allez voir les liens vont s'afficher sur l'écran et à partir de là, ce sera encore plus facile pour vous de pouvoir vous y rendre. Magnifique, yep. Merci pour ceux qui écrivent les liens en commentaire. C'est super. Voilà. Alors, comme on a dit, j'ai vu aussi quelqu'un qui a dit « J'aime vos t-shirts. Thank you so much. You » know. Dès demain, vous allez pouvoir vous procurer ce t-shirt ainsi que les autres t-shirts pour couple et aussi pour célibataire que nous allons mettre sur notre site. Vous allez pouvoir cet été avoir des t-shirts de qualité, des t-shirts magnifiques, des t-shirts avec des beaux messages vraiment que vous allez porter fièrement comme Joey est en train de le faire présentement. Ok? Donc, alors très prochainement, donc dès demain en fait, sur notre site couronné d'amour. All right. Sans plus tarder, on va continuer avec cette émission spéciale de Double Date, cette 10e émission, en invitant des couples qui ont été présélectionnés par notre équipe afin qu'ils viennent nous partager brièvement leur témoignage. Et ensuite à cela, on en a déjà écouté deux dans la première partie. Là, on va écouter le troisième et dernier couple. Et ensuite, on va rentrer dans la période de questions parce qu'on veut vraiment prendre le temps de répondre aux plus de questions qu'on peut et vraiment vous aider du mieux qu'on peut ici. OK? Alors, let's go. La connexion est en Alors, comme on vous a dit, on ne connaît pas les couples. Yeah. On va les découvrir comme vous. Voilà. Alors, voilà. Hey, hello. Ça danse. Comment ça va? Ça va bien, merci. Wow. Vous êtes où là présentement? En Guadeloupe. En Guadeloupe, ok. Wow. Ouais. En Guadeloupe, wow. on sent le soleil là. On sent le soleil de la Guadeloupe. C'est comme d'être devant la mer. Il y a tout ça. Le sable fin, les rivières, on a tout. On a tout chez nous. Wow. Et on vous attend. Je pense que durant toute la vidéo, ça doit être la phrase qui remontait le plus souvent. On vous attend en Guadeloupe. Voilà. Waouh. Wow. Ça veut dire qu'on doit venir. Absolument. Ouais. Magnifique. Alors, on... Oui. Oh non, vas-y. Vas-y, chérie. Go. Ah, aussi. Là, je suis coincé. OK. On vous écoute. Ouais. Bon, bonsoir tout le monde, bonsoir aux internautes. Moi, c'est Prissy Romain et Romain Ronny qui est mon mari. Donc, Monsieur Romain a décidé que c'est moi qui allais commencer le témoignage. Donc, en fait, on va préciser quand même, ça fait quand même 12 ans que nous sommes mariés. D'accord? Donc, bien peut-être 15 ans qu'on se connaît. Donc, nous, on a rencontré Dieu, on tient à le préciser, après qu'on se soit mariés. Donc, on a vraiment vécu, entre guillemets, dans le monde. Hein. Donc, on a connu les boîtes de nuit, on a connu les virées folles, on a connu la fornication, l'impudicité, l'alcoolisme. Mais en fait, on a vécu étant jeune, tout en étant marié. On n'a rien raté, d'accord? Je tenais quand même à le préciser. Hein. Et il s'est avéré qu'à un moment dans notre couple, j'ai dû retourner à l'école avec une petite fille de 3 ans. Donc, j'ai décidé de reprendre mes études. Donc là, les choses ont commencé à se corser. Pourquoi? Parce que là, on n'était plus à 2 salaires dans le couple, mais à un seul. Donc, au début, c'était les virées folles. Donc, plus de virées folles. Plus de sorties, plus de dépenses excessives, parce qu'on s'est retrouvé avec un salaire.
Et le summum dans tout ça, c'est qu'on a dû retourner chez les parents. Oh. Donc pour moi, ça a été, oui, pour moi, ça a été très, très compliqué parce que c'était chez mes beaux-parents, avec une petite fille de 3 ans qui n'était pas encore à l'école, donc avec des études qui commençaient, donc je tiens à préciser 3 ans d'études, 2 ans sans salaire, donc on vivait uniquement sur le salaire de monsieur. Donc tout ceci a fait que beaucoup de choses ont commencé à se manifester, hein. L'ennemi a essayé de prendre un peu plus de place, bien évidemment. Donc, les disputes ont commencé, l'incompréhension dans le couple ont commencé, la jalousie vis-à-vis des beaux-parents, ça a commencé aussi. C'était limite, oui, mais tu n'as pas vu, elle a dit, elle a fait, mais qu'est-ce que tu fais? Tu réagis pas, mais tu es mon mari, mais tu fais rien. Donc, en fait, un peu tout ce qu'on rencontre maintenant, tout ce que peuvent rencontrer les couples actuellement. Et donc, en fait, c'était très, très compliqué. Je sais qu'on y va quand même un peu étayer cette période, s'il le veut bien. Alors, rapidement, tu as juste oublié de dire que bon, tu étais déjà salarié, tu étais déjà bien placé dans la même entreprise parce qu'on travaillait dans la même entreprise. OK. Voilà, on était comme. Voilà, donc madame était responsable d'agence, moi j'étais vendeur. On vivait bien, voilà, c'était des sorties, c'était des amis, comme elle a beaucoup précisé. Et donc, du jour au lendemain, on est retourné chez les parents, voilà. Et il y avait beaucoup d'incompréhension au travers de tout ce qu'elle vivait dans son quotidien. Voilà. Donc, c'était souvent, Ronnie, tu ne comprends pas, Ronnie, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Donc, je ne vous cache pas, c'était une période où c'était beaucoup la PlayStation. J'étais à fond dans le sport, voilà, j'entendais rien du tout, c'était le karaté à fond, j'avais un objectif, c'était la ceinture noire, et j'entendais que ça. Ceinture noire, donc je rentrais à la maison, sport, je sortais sport, je vivais sport, voilà. Elle était à l'école, et c'était tout le temps des plaintes, des plaintes, des plaintes, et voilà. Jusqu'à un moment où une partie de la famille, on précise qu'une partie de la famille était déjà chrétienne, était déjà en Christ, et l'invitait. T'invitais déjà plus ou moins à participer à des réunions. Je pense qu'il voyait déjà au travers de notre couple un petit peu la détresse de Priscilla. Et il l'invitait déjà plus ou moins. J'ai jamais été quelqu'un à la bloquer ou à la restreindre. Donc je la laissais faire, je la laissais aller dans les réunions avec des cousins, des cousines. Voilà. Parce que c'était des cousins, des cousines qui étaient déjà en Christ, oui. Et moi, c'était toujours le sport et la PlayStation. J'avais des. PlayStation. Ah oui, voilà, un bon petit Call of Duty, on peut jouer jusqu'à 3 h du matin, le lendemain on se réveille, Wow. mais bon, on va travailler et puis voilà. Je Et. sais même plus c'est quand la dernière fois que j'ai même touché une manette de PlayStation. Wow. Mais la 5 C'était sort une bientôt. Je vais peut-être l'acheter, peut-être. Ah, j'ai encore des réticences de cette période-là parce que je me rappelle que c'était très difficile de s'en décoller. Donc, Ouais, je n'ai jamais oui. touché à une 5. Voilà, la 4, en tout cas, je n'ai même pas acheté, mais bon, voilà. Et pour Oh. continuer l'histoire, donc, il y a un jour, elle vient me voir et elle me dit que je pense qu'elle était déjà touchée, elle va revenir dessus, et elle me dit que j'ai fait un rêve. Oui, j'ai fait un rêve. Comment tu m'avais dit ça? Rappelle-moi que tu avais fait un rêve et que tu n'arrivais pas à expliquer. Donc, elle était partie voir les cousins et les cousines pour essayer de lui expliquer ce rêve, ce qu'elle avait vécu, ce qu'elle avait expérimenté. Et moi, je disais, ouais, mais lâche-moi avec tes histoires de rêve. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Bien sûr. Limite, qu'est-ce qu'on a à faire de tes trucs de rêve? Moi, je comprends rien dans ça. Bon, c'est PlayStation et karaté. Ah oui, Wow. je tiens à préciser qu'en cette période, comme il l'a bien souligné, c'était qu'est-ce que j'ai à faire de tes histoires de rêve? Et aussi, mais tu fais comme une mamie, tu es tout le temps dans ta Bible. Donc, c'est pour montrer un peu les stéréotypes qu'en fait, la manière dont on nous voit en tant que chrétien. Donc, j'étais devenue la mamie dans sa Bible. Wow. Parce que toi, tu étais déjà né de nouveau, mais pas lui. Exactement. Voilà.
C'était tout le temps sa Bible, elle marchait dans la maison, sa Bible, elle est dans la chambre, sa Bible, elle est couchée, ça. Je dis, attends, je ne t'ai pas connu comme ça. Ouais, c'était vraiment ça. La petite mamie qui marche partout avec sa Bible. Voilà. J'avais l'impression de voir la mamie dans Voilà. La Voilà, c'est mamie impressionnant. Elle a dans déjà pris un mur là chez vous, là. Warum. Voilà. Je sens que durant ce temps-là, ça, je ne savais pas que ça me travaillait déjà. Donc, si tu as Voilà. dans vas-y, passe à côté, sors devant moi. Mais en tout cas, ça travaillait déjà. Ouais. Et jusqu'à ce qu'un soir, voilà, j'ai eu un rêve. J'ai fait un rêve. Mais un rêve, rien de particulier. Mais quand je me suis réveillé, j'avais la conviction que ce n'était pas un rêve normal. Wow. L'impression de l'avoir vécu entièrement et que j'étais éveillé dans le rêve et que quelque chose avait été déposé en moi. Pour vous donner juste un petit fragment, un petit peu comme la seule image que j'ai pour l'expliquer, c'est Iron Man, le Wow. super-héros dans Marvel. Vous voyez, il a son cœur qui est en fait, c'est une batterie, je sais pas si c'est en lithium, si c'est en nucléaire ou en quoi. Voilà. Et dans mon rêve, c'est comme si j'avais reçu la même chose. Et pour vous dire l'intensité, à mon réveil, quand je passais ma main comme ça sur mon cœur, je ressentais la chaleur, je ressentais le. Et elle m'a dit, tiens, la dernière fois, j'ai fait un rêve, tu ne m'avais pas compris, tiens, je vais t'amener chez quelqu'un qui va mieux t'expliquer. C'était des chrétiens qui étaient beaucoup plus expérimentés que nous. Et c'est de là que j'ai eu beaucoup de réponses à mes questions et que nous avons commencé à suivre dans le Seigneur. Alors, pour vous donner une Wow. petite, voilà, pour vous donner une petite idée En aussi. une nuit, le Ouais. Dieu de l'impossible a agi en une nuit. Voilà. Waouh. C'était en 2014. C'était en 2014. Nous avons donné notre vie à Christ ensemble. Nous avons été plongés dans les eaux du baptême ensemble, main dans la main. Voilà, c'était en 2015, novembre 2015, si je me trompe pas, décembre 2015. Ouais, voilà. Et donc, depuis, on chemine, on sert le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre force. Et nous voulons encore glorifier son nom. Et c'est pour cela que elle a participé à. Elle a inscrit nos noms et que nous avons répondu à l'appel aujourd'hui et que nous sommes dans votre émission. Voilà, Ouf, pour wow. toucher les. Ouf. Voilà. Quel Ouf. témoignage! Oh là 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 là! Gloire à Dieu, premièrement. Gloire à Dieu, le Dieu qui touche les cœurs, le Dieu qui a le cœur des rois entre ses mains. Ça, c'est vraiment une prière, une vérité, une promesse pour ces femmes qui sont accompagnées d'un homme qui ne croit pas au Seigneur. Que ce témoignage vraiment puisse vous fortifier là où vous êtes. Si vraiment ce mari, je parle vraiment aux femmes mariées, parce que si tu n'es pas encore mariée, tu peux encore faire le choix de ne pas rentrer dans ce mariage-là alors que ton homme n'a pas accepté Jésus C'est ça. réellement. Mais dans leur C'est cas, vraiment ils sont rentrés dans le mariage et tous les deux n'étaient pas nés de nouveau. une Premièrement, grâce. madame a accepté Jésus et ensuite, elle a prié. Elle s'est transformée en cette mamie dont le mari se moquait. Mais aujourd'hui, son mari glorifie le Seigneur pour sa vie de prière. Mais elle a quand même dit quelque chose. Elle a dit, ce sont des stéréotypes, donc c'est Ouais, de ça qu'on c'est a ça, l'air. c'est ça, Ça, c'est c'est ça. peut-être pour nous faire savoir aussi qu'il faut faire attention. C'est vrai que tu veux gagner ton mari à Christ, mais ne sois pas trop extrême au point que ton mari te trouve bizarre. OK? Voilà. Ça, c'est C'est vrai. vraiment le mot. Nous étions catholiques, voilà. Il nous arrivait d'aller à l'église, mais bon, sans vraiment comprendre ce qui était dit, ce qu'on nous enseignait. Et tous les dimanches, je lui disais, tiens, allons, on va à l'église. Pourquoi tu vas aller chez Pourquoi tu vas aller à tel endroit? Pourquoi tu veux suivre telle personne? Tiens, on va aller le dimanche à l'église. La vérité, c'est que je comprenais rien du tout. Voilà. Je comprenais rien du tout. Mais à la suite de ce rêve, c'est comme si je me suis réveillé une nouvelle personne et que je savais que tout allait être différent. Tout allait être Oh. différent. Le jour d'aujourd'hui, si on sert Dieu comme on le sert, vraiment, c'est parce qu'il s'est vraiment révélé à chacun d'entre nous dans une dimension extraordinaire. Alors, Madame Elie, responsable des réseaux dans l'assemblée où nous sommes,
Moi, je suis Wow. responsable de la jeunesse. Voilà, j'aspire à devenir pasteur. Voilà. Et vraiment, nous Amen. voulons glorifier et être un exemple pour tous ceux et toutes celles qui nous écoutent, qui sont en live maintenant. Tout est Yes. possible à celui qui croit. Vraiment, que nous puissions vraiment nous mettre dans l'équipe que nous servons le Dieu de l'impossible. Voilà. Alléluia. Woo! Incroyable, incroyable, Merci beaucoup, vraiment, incroyable. couple Romain. Merci pour ce témoignage puissant et réellement édifiant. Et comme avec les autres couples du Double Date, on aimerait terminer vraiment avec notre quiz spécial, le Love Quiz. Trois petites questions pour vous. Qu'est-ce que Alors. vous aimez faire à Yes. deux? Bien tout. On fait Je pose tout. la question différemment, je pense, non? Non. Qu'est-ce qu'on ne fait pas à deux? Ça va aller plus vite. Parce que même quand il va jeter la poubelle, on va à deux. Même quand il va aux toilettes, je me glisse dans les toilettes pour finir une conversation. Et en fait, ce sera Alors, plus la réponse facile est de tout. continuer ça. La réponse est tout. Non, I l'écoute like that. d'aujourd'hui, là, je ne comprends I pas. like that. C'est une autre dimension, I la like vraie. that. C'est ça que je t'ai toujours Quand on dit dit. la fin d'une chose, vaut mieux que ça. C'est ça que je t'ai toujours dit. Donc, c'est là où tu es, je suis. C'est ça. Ah, Comme on dit de réellement former un. Alors, vous, là, c'est en plein ça. Ah ouais, nous, le confinement, ça a été confiné pour s'aimer. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire dans les commentaires, s'il vous plaît? Confiné Confiné pour pour s'aimer. I s'aimer. love Oh! it. I love it, je prie vraiment que les mariés qui sont dans ce live, que cela soit votre partage, et même ceux qui sont des futurs mariés, que ça soit votre partage, vous l'avez entendu plusieurs fois au travers de ce dernier épisode de la première saison du Double Date, et je crois que ce n'est pas un hasard. Il y a des gens que Dieu veut réellement amener à cette dimension où vous êtes confinés pour vous aimer, pour vous rapprocher, pour être davantage unis. Vraiment, recevez cette grâce dans le nom de Jésus. Wouh! Deuxième question de notre love quiz. Est-ce que tu vas y aller, chérie? Si vous Un pouvez vous mot. décrire, utilisons un seul mot. Un mot pour décrire monsieur, un mot pour décrire madame. Quel serait-il? Phénoménal. Phénoménal. I like that. Moi, je dirais qu'un seul mot, ça peut pas suffire pour la décrire tellement qu'elle est remplie de qualités. Alors, je vais en prendre au moins trois. Pétillante, souriante et généreuse. Voilà, c'est vraiment Oh. le caractère qui a fait que je l'ai épousée. Voilà. On respecte cela. Tu es la première personne de la première saison qui a refusé de donner juste un, mais qui en a donné trois. On respecte On cela. respecte cela. Il n'y a pas de Il problème. n'y a pas de problème. On respecte cela. Troisième question, chérie. Parce Verset. qu'on lit tout le temps. Oui, un verset ou bien un personnage biblique que vous admirez, que vous aimez, Qui vous qui vous interpelle? interpelle. Moi, c'est David. Encore ce David. matin, je parlais avec une collègue au travail. Et en fait, c'est David. David, pourquoi? Parce que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est l'homme qui a été au loin pour relever les défis. Donc, en fait, moi, je dis David. David, Wow. wow, incroyable. Amen. Ben, moi, ça serait Josué. Le verset qui revient, c'est Josué 1,6. Le début de ce verset caractérise à lui seul une bonne partie de ma vie. Fortifie-toi et prends courage. Ce qui caractérise ma vie aujourd'hui, si je fais quelque chose, si je persévère dans tout ce que je fais, que je réussis, c'est parce que j'ai vraiment tout placé directement sur le Seigneur Jésus-Christ et que je m'appuie sur lui et que voilà. Et c'est ça, ma réussite, elle est basée sur ça. Voilà. Wow! En tout cas, cher couple romain, merci. Merci, Merci merci pour votre beaucoup, merci. participation. Merci Oh d'avoir été oui, là. oh Que le oui. Seigneur vous bénisse vraiment de là où vous êtes en Guadeloupe. Vraiment, j'ai Amen. hâte de pouvoir être là Vraiment. également. On Par la vous grâce de attend. Dieu. On Nous viendrons vraiment par la Oui, grâce de vraiment, Dieu. vraiment. On a Vraiment. toujours bien entendu parler de cette place-là, donc. Courrier va arriver bien vite. Vase du potier Guadeloupe va inviter couronné d'amour. Waouh! Oh!
Ah, vous l'avez entendu. Donc, le ciel a entendu. Le ciel a entendu. Vraiment, soyez bénis. Vraiment. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci encore. Allez, merci. Bye bye. Wouh! Man! Non, cette 10e édition est magnifique. Voilà. Vraiment, on a entendu des témoignages explosifs. C'était vraiment une bonne idée, je pense. Vraiment, hein, de finir comme ça en listen invitant... to the people and everything. Ouais. I love it. De toute manière, on revient pour la 2e saison. On va continuer d'écouter des témoignages. T'es excité pour la 2e saison. Deuxième saison est gonna be the next pourquoi t'es excité pour la deuxième saison? Because I love this show. J'aime entendre des histoires, j'aime entendre des témoignages, parce que moi-même, ça m'édifie et ça me rappelle la puissance, la grandeur de notre Dieu. Ça m'encourage à m'accrocher encore à lui, à le rechercher davantage, à l'aimer davantage, à passer encore plus de temps avec lui, juste en écoutant les témoignages des gens. Et ça me montre à quel point l'ennemi peut essayer n'importe quelle manigance pour nous déstabiliser. Il ne va pas gagner. Le Dieu qu'on sert est au-dessus de tout. Regarde-le encore. Il a le cœur des rois entre ses mains. Mm. Et il incline vraiment selon sa volonté. Et il a fait la même chose avec le couple romain. Mais moi, quand j'entends ça, là, je me dis, mais qu'est-ce qui est impossible à ce Dieu? Qu'est-ce que ce Dieu ne peut pas faire pour moi? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour nous? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour notre foyer? Non. Les témoignages, ça édifie. Ça édifie. La Bible dit même dans Apocalypse qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. C'est à cause de ce verset-là même qu'on a été inspiré à vraiment mettre sur pied les double dates. Là où on allait écouter les témoignages de différents couples qui allaient réellement nous édifier. Alors vraiment, recevez cette grâce, que le Seigneur vous localise de là où vous êtes et vraiment qu'il puisse réellement vous bénir au-delà de vos attentes, qu'il puisse vous surprendre réellement. Vraiment, that's amazing. Alors, let's go. Question. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Parce que, ok. Waouh, il y en a des questions. On va essayer de répondre au plus possible quand même, ok? Commençons. Comme on vous a dit, on va essayer de répondre au plus qu'on peut. Ouais. S'il y en a qui se ressemblent un peu, écoutez, vous comprenez, hein? Ouais. Ok. C'est mieux par écrit ou en direct? Par écrit, c'est assez clair, hein? Bon, si on ne comprend pas ta question, on va te demander de venir expliquer, let's go this way. On verra, mais on vous dit déjà, on ne pourra pas prendre tout le monde, hein? Mais on est là pour vous. Let's go! Ok, tu vois, ici, et mon mari et moi, on sera ravis un jour d'être dans votre live. Oh, magnifique. Ok. Confiance entre deux personnes mariées. Comment la faire durer? Merci. Mmh. Confiance entre deux personnes mariées. Ok, on va essayer de répondre en bref. Attends, je pense que je peux afficher la question. Ok. Confiance entre deux personnes mariées. Yeah. Comment la faire durer? Alors. C'est important d'abord de savoir par rapport à la confiance. Je parlais, puis bien sûr, Joey va compléter, ok? Donc, la confiance, c'est quelque chose de très précieux. Let me start like that. Mm-hmm. C'est quelque chose de très précieux, ok? Ça se bâtit, ok? Et j'aimerais même dire que c'est plus facile de bâtir. C'est plus difficile, en fait, de la bâtir que de la détruire. Ça peut se détruire comme ça. Ça peut se briser comme ça. Ok, c'est pour ça que je dis que la confiance c'est quelque chose de précieux parce que c'est facile à briser. Donc tu dois vraiment protéger ça du mieux que tu peux. Ok, parce que pour certains même la vie de ton couple en dépend. Absolument. Alors c'est très 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 important. Comment faire durer la confiance entre les deux? La meilleure stratégie que je peux te donner très rapidement au travers de ce live, c'est vraiment de faire preuve de transparence. La transparence est une des clés pour solidifier la confiance dans un couple. Quand il n'y a pas de transparence, quand il n'y a pas, d'honnêteté, quand il n'y a pas vraiment ce côté-là où vraiment on se dit tout, on se montre tout. Et ça peut être dans des petites choses, hein, comme par exemple ton mot de passe de Facebook, d'Instagram. Il y a le couple Sadi qui est passé au double date et qui nous a donné ça comme conseil parce que eux, c'était spéciaux. Ils étaient en relation longue distance. Donc, ils ont partagé au travers de leur témoignage l'importance pour eux, étant à longue distance, de pouvoir être extrêmement transparent.
de là où la fille était ici au Canada, elle avait le mot de passe de son mari qui était en Afrique du Sud. Donc, c'est très important. Même si vous n'êtes pas en relation longue distance, là où vous êtes, vous avez besoin de faire preuve de beaucoup de transparence. OK? Soyez honnête, soyez vrai. Ne mentez pas. Lorsqu'on vous pose une question, dites la vérité. Vaut mieux dire la vérité et ensuite vous arranger si jamais quelqu'un est frustré par rapport à la situation que de mentir et là vous empilez plein de choses qui, au final, vont finir par briser la confiance que vous avez l'un envers l'autre. OK? Donc, je sais pas si Ben, tu Wow, veux. vraiment, la confiance. Écoutez, c'est tellement large, c'est Ouais, tellement large. on donne des petits points On comme donne juste des ça. petits points comme ça, mais moi, je Ouais. dirais que si un homme veut réellement gagner la confiance de son épouse, Ouais. ça serait littéralement de d'être un livre ouvert. Yes. Tu lui montres lui tout. Si réellement t'as effectivement rien à cacher. Si réellement tu veux amener ton couple à un autre niveau, Yes. montre-lui tout, donne-lui accès à tout. Yes. Et c'est surtout pour les mariés. Donc, ça, donc, ton compte en banque, tes codes de réseaux sociaux, Yes. je veux dire, là où tu travailles, elle doit savoir un peu, OK, c'est quoi le nom de tes collègues et tout, Surtout si c'est des femmes. surtout si c'est des femmes, c'est très important parce que Ouais. oui, s'il travaille avec des femmes, c'est important de lui dire que oui, écoute, écoute, aujourd'hui, Cynthia a dit ceci. Moi, je lui disais tout. Donc, elle Tout. connaissait partout où je suis allé. Elle connaissait le nom de pratiquement tout. En fait, les gens Ouais. avec qui je parlais le plus, elle savait. Ouais. Des fois, il y avait, là où je travaillais, peut-être même plus de femmes que d'hommes, Ouais. elle les connaissait. Ouais. Des fois même, juste pour vous dire à quel point j'étais à l'aise, elle venait même à mon emploi. Ouais. Je lui disais, viens prendre au travail, comme ça tu pourras rencontrer les gens de mon travail et tout. Pour aller même plus loin, je l'invitais même des fois aux fêtes, tu sais, vous savez, les fêtes de Noël et tout, donc on loue une salle de réception, puis toute la compagnie va là-bas, je lui disais toujours, tu dois être là, tu dois être là. Et qu'est-ce que ces gens-là disaient? Oh mon Dieu, ton mari, il fait que parler de toi. Ou bien C'est ton vrai. fiancé, il ne fait que parler de toi. Ou bien même encore, même avant qu'on soit fiancé, il y a un endroit où je travaillais. Et c'est quelqu'un qui nous, la personne nous l'a dit, c'est qu'il disait, waouh, ton copain, il parle toujours de toi. C'est comme si je te connaissais à 100% parce Ouais. qu'il parle constamment de toi. Ouais. Alors, c'est de montrer, de donner accès à à toutes ces choses-là. Très Et fort. deuxièmement, parler de ton partenaire, Ouais. même dans ces endroits-là. Ouais. Parce que tu veux pas en fait que ta femme soit dans une position où elle est insécure, comme on dit, où elle est complexée, où elle a l'impression que est-ce qu'il me trompe? Comme ta femme devrait jamais avoir à se poser cette question. Est-ce qu'il est fidèle envers moi? Est-ce qu'il me trompe? Est-ce qu'il est sincère? Non. Et une des choses qui va la permettre de pouvoir ne pas se poser ces questions-là et dormir tranquille, c'est la manière dont tu seras un livre ouvert devant elle. Fais-la rentrer dans ton univers, fais-la rentrer vraiment dans ta vie. Et c'est ça aussi parce que des fois, en fait, c'est les deux côtés. La femme, toi non plus, tu ne veux pas avoir de jalousie mal placée. Tu ne veux pas être cette femme qui est juste en train de fouiller tout ce qui se passe dans la vie de ton mari. Non, tu veux pouvoir lui faire confiance. Mais Marie, comprends que la confiance, ça se bâtit. Si tu n'as jamais été un livre ouvert envers elle, c'est normal qu'elle ait ce désir de vouloir fouiller partout. Mais si toi, femme, tu vois que ton mari est réellement un livre ouvert envers toi, c'est pas juste qu'il parle et il te dit, oh oui, fais-moi confiance, fais-moi confiance. Non, il te montre ses réseaux sociaux, il t'a déjà montré son cellulaire, tu connais son emploi, tu connais ses collègues, tu connais, même lorsqu'une femme le drague, il vient te dire, donc tu sais tout. Alors refuse tout esprit de jalousie C'est qui vont ça. venir déstabiliser votre couple. OK? Vous êtes capable des deux côtés, si chacun fait sa part, ça va bien Et aller. la confiance aussi, elle fonctionne bien quand, admettons, ton mari te demande, toi épouse, écoute, fais ça pour moi, ou bien fais tel truc, fais telle affaire. Ouais. Quand tu arrives à le faire, ça booste aussi votre niveau de confiance, parce qu'il Ouais. est réellement capable de voir que je suis capable de travailler avec toi, je suis capable de te partager des choses très précieuses pour moi. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Ça Ouais. booste vraiment votre niveau de confiance à un autre niveau aussi. Ouais. Ah oui. Excellent. Prochaine question. Comment aborder avec ses enfants le fait de refaire sa vie avec un nouvel homme? Ah oui. Je voulais qu'on puisse parler de ça parce que vous êtes nombreux à nous avoir écrit. On n'a pas eu de couple
qui finalement ont eu une famille, comme on dit, Recomposé, recomposée. recomposé. Voilà. Mais ne vous en faites pas. La saison 2, là, we're gonna have that, OK? Mais j'aimerais quand même qu'on puisse adresser le sujet parce qu'on a eu beaucoup de questions par rapport à ça. Comment dealer avec cette situation lorsque papa ou le papa, il a d'autres enfants, en fait, d'une autre union et même chose du côté de la mère, donc, ou du côté de la femme, vraiment? Comment est-ce qu'on deal avec tout ça? Et bien sûr aussi la question qui a été posée, comment aborder avec ses enfants le fait de refaire sa vie avec un nouvel homme? Encore une fois, je parlais, puis chérie, tu vas compléter. C'est très, très, très important de pouvoir, premièrement, avoir une bonne vision de la famille. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que tout part de là. Si toi, la femme ou l'homme, vous n'avez pas une bonne vision de la famille, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y aura déjà un esprit de division qui va s'initier dans votre couple, dans votre maison, dans votre foyer. Et ça, c'est pas bon. Ce sera pas bon ni pour vous, ni pour les enfants. OK? Il faut comprendre déjà, avoir cette bonne vision de la famille en comprenant qu'une famille est censée être unie. OK? Elle est censée être unie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je décide d'épouser un homme qui a déjà des enfants, c'est que dans ma tête, je me mets déjà dans cette position où même si je n'ai pas d'enfant biologique, eh bien cet enfant de cet homme-là que je veux épouser va en quelque sorte devenir mon enfant. Pourquoi est-ce que je me mets ça dans la tête? C'est dans le but que la famille puisse garder vraiment un esprit d'unité. Parce que si je ne me mets pas ça dans la tête et que je me dis que ah ben j'épouse l'homme mais j'épouse pas son enfant, l'enfant viendra nous voir mais comme sans plus, eh bien l'enfant va sentir qu'il y a une division et il risque de se sentir dévalorisé. Il ne sera pas dans cet environnement d'amour qui le permettra de bien grandir, de bien évoluer. OK? Mais tout part des parents. Il faut que toi, dans ta tête, tu te dises que ah, cet enfant va être comme le mien. Et même chose, lui aussi, il doit se dire que cet enfant que j'ai eu avec une autre femme, quand je viens dans cette maison-là où elle est, là, ma nouvelle femme, eh bien, cet enfant devient comme le sien. Donc, elle a le droit de lui donner l'amour, l'affection, les conseils et parfois même la discipline qu'il faut avec beaucoup d'amour, de manière à ce que mon Et enfant surtout, grandisse bien. ouais. OK? Quand on dit discipline, c'est pas que tu maltraites l'enfant d'autrui. OK? Donc, c'est vraiment, il faut être sage. Maintenant, je rentre dans la question qui a été posée. Comment est-ce que j'aborde avec mon enfant le fait que je veux refaire ma vie avec un autre homme que son père? C'est très important de le rassurer. De le rassurer en le faisant comprendre que tu ne vas pas te retrouver avec un inconnu qui va mal te regarder ou qui va mal te traiter ou qui va te délaisser ou te rejeter. Et sache que le fait que je me marie avec quelqu'un d'autre ne change pas le fait que je t'aime et que tu restes dans mes priorités, que tu as une grande place dans mon cœur. Le problème qui arrive, c'est quand, lorsque tu rencontres un autre homme, ben, cet enfant que tu as eu dans une autre relation, ben, tu l'abandonnes, tu le délaisses ou tu le fais sentir comme si, ah, t'es juste un dérangement. Non, ça marche pas. C'est très, très, très important. Et tout ça part de quoi? De la vision que vous avez de la famille. Quand vous comprenez que la famille, dans une famille, il doit avoir l'unité, l'amour, eh bien, vous allez ajuster vos comportements par rapport à ça. Donc, tu présentes ton nouveau mari à ton enfant. Et je veux aussi vraiment encourager les femmes à pouvoir, les femmes et les hommes, hein, des deux côtés. Si jamais vous avez eu des enfants avec un autre conjoint ou conjointe, c'est très important de pouvoir bien faire le choix. Bien faire le choix de la prochaine personne avec qui vous allez être. Crucial. Parce qu'on n'a pas besoin de se voiler la face ou de se mentir. Le fait que vous avez un enfant, c'est que c'est comme un paramètre de plus à considérer. Moi, si je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant, je commence avec un homme, ça ne fonctionne pas, je vais avec un autre, ça ne fonctionne pas, tu sais, ça n'affectera que moi. Mais dans ton cas, toi, vu que tu as des enfants, ça ne va pas juste affecter toi, ça va affecter cet enfant-là aussi. Donc, tu vas devoir faire très, très, très attention, encore plus que si tu aurais été toute seule. OK? C'est à ce niveau-là que je veux vraiment mettre l'accent. Donc, tu fais très bien ton choix et à partir de là, tu rassures ton enfant. Et tranquillement, tu lui parles. Tu lui dis que tu sais, maman, elle a quelqu'un d'autre dans sa vie, quelqu'un qui l'aime, OK? Il faut que l'enfant soit convaincu que l'homme là que tu vas mettre dans ta vie, c'est un homme qui t'aime. Et c'est pour ça que ça doit être vrai. Il faut vraiment que tu trouves quelqu'un qui va réellement t'aimer. Et quelqu'un qui t'aime toi aussi, mon enfant. Quelqu'un qui va t'aimer comme si tu étais son enfant. Et en fait, tu vas devenir en quelque sorte son enfant. Donc, c'est avec des mots comme ça que tu vas rassurer
tes enfants. OK? Plutôt que juste leur montrer que voilà, vous avez un nouveau papa. Comme non. Vas-y, étape par étape. Même s'ils sont très jeunes. Parfois, on pense que bon, comme ils sont jeunes, là, ils ne comprennent rien. Je veux juste leur faire venir un homme qui va s'installer là à la maison. Comme non, ça ne marche pas comme ça. Parce que l'environnement d'une maison, c'est un environnement qui est censé être similaire à l'environnement dans lequel l'enfant était quand il était dans ton ventre. Quand il était dans ton ventre, il se sentait protégé, il se sentait aimé, il se sentait précieux, il se sentait chéri. Et c'est vrai parce que tu faisais, enfin pour la plupart de vous, j'espère, vous faisiez attention quand vous étiez enceinte. Eh bien, le fait qu'il soit sorti de ton ventre et que là maintenant, il soit dans ta maison, il doit retrouver cette même atmosphère d'amour, de protection, là où il se sent à l'aise de bien grandir et de bien se développer. C'est pour ça que tu as un grand rôle à jouer par rapport à ça. Tu ne peux pas juste faire venir quelqu'un qui va être là assis sur le canapé et l'enfant ne connaît même pas cette personne-là, jamais entendu parler de cette personne, qui est super mal à l'aise, c'est comme si l'enfant doit toujours rester dans la chambre. Non, 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 non. Très important de faire en sorte que l'homme ne va pas, de faire comprendre à l'enfant que le nouveau mari, ce nouvel homme avec qui tu vas être, ne va pas en fait perturber l'atmosphère, la chaleur qu'il y avait dans la maison. Ok, je pense que... T'as vraiment tout dit. T'as vraiment tout dit. Je veux juste rebondir sur le fait qu'il faut beaucoup communiquer avec l'enfant, lui faire comprendre effectivement, comme elle a dit, que, écoute, cette personne-là, elle aime vraiment maman ou bien elle aime vraiment papa. Ouais. Alors, automatiquement, elle va t'aimer aussi. Ouais. L'enfant ne devrait pas trop calculer. Déjà, la transition, elle est énorme encore. Ouais. OK, donc il ne faut pas traumatiser encore l'enfant avec « Oh, mais l'enfant ne devrait pas réfléchir et se poser des questions du sens « Est-ce que ce gars-là va m'aimer ? » Est-ce que cette femme-là va m'aimer ? C'est comme ça. Maman m'aimait ou bien comme maman m'aime. Ouais. Parce que des fois, c'est parce que la personne est décédée ou bien des fois, c'est juste à cause d'un divorce. Tout à fait. Alors, c'est vraiment ça. Ouais. Donc, c'est vraiment, vraiment important de communiquer avec les enfants, bien avec l'enfant, et vraiment lui faire comprendre que, écoute, ici, tu seras encore safe. Ouais. Il n'y a rien qui change. Tu vas recevoir l'amour nécessaire et tout et tout. C'est extrêmement, extrêmement important. C'est ça. Vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de patience. Vas-y tranquillement. Mm-hmm. Parce que sache que la séparation que tu as eue avec son père ou avec sa mère, ça l'a affecté. Ah, mais oui. Ça l'a affecté. Ah, mais oui. Donc, parce que ça l'a affecté, il faut y aller tranquillement. Il faut vraiment lui donner la chance de pouvoir digérer le fait que maintenant tu auras quelqu'un d'autre et le faire sentir qu'il se sentira toujours aimé. Et parce que ça l'a affecté aussi, il faut vraiment comprendre si c'est réellement la saison que tu rentres encore dans une autre relation. Des fois, on ne sait pas à quel niveau ce genre de choses bousille. La tête d'un enfant. Ouais. Des fois, on n'a juste aucune idée. Ouais. Des fois, on est tellement rempli de l'envie de retrouver un autre partenaire qu'on ne considère réellement pas les enfants qui sont là, qui n'ont même pas demandé à ce que... À être là. À être là, c'est sûr. Et aussi à ce que la relation puisse être brisée. Ouais. Voilà. J'espère que ça répondait à la question. Une question 10 minutes. Vraiment. En tout cas, ça sera chaud. Ouais. Let's go. All right. Ok, on va y aller avec celle-là. Est-ce que l'âge est un critère important à déterminer avant de choisir sa partenaire, donc l'écart d'âge? Oui, c'est un critère à considérer. Ok, c'est un critère à considérer. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ça veut dire que si tu choisis, admettons, toi, homme, tu choisis une femme qui est plus âgée que toi, donc ça veut dire que toi, femme, tu choisis un homme qui est plus jeune que toi, tu dois prendre ça en considération. On ne dit pas que c'est mauvais, que vous ne devez pas le faire, OK? C'est votre choix, mais ça vient avec des conséquences que vous devez connaître. Il faut juste être, comme on dit en anglais, aware des conséquences. Vous devez être conscient des conséquences qui pourraient venir avec ce genre de situation, qui pourraient. Donc, ça peut ne pas venir aussi, qui pourraient. Et je vous donne un exemple. Admettons, toi, tu es un homme, tu choisis une femme qui est beaucoup plus âgée que toi. Bah, une des situations conflictuelles que tu pourrais rencontrer, c'est que cette femme-là est tellement plus mature que toi et finalement, elle te trouve vraiment même immature et elle te met la pression pour pouvoir grandir rapidement, maturer rapidement et t'établir rapidement dans ton leadership. Et elle ça te parle d'une certaine manière. Et voilà. Et en plus, elle le fait en te parlant d'une certaine manière où tu vas te sentir irrespecté. Rabaissé. Rabaissé alors que tu es déjà plus jeune.
Donc, tu sais, c'est des choses qui pourraient arriver. Mais si tu rencontres une femme qui est plus âgée que toi, mais qui est extrêmement mature et qui est capable de te donner ta place de leader, bien que tu sois plus jeune, eh bien, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. OK? Mais si jamais elle n'a pas cette maturité-là, ben, attends-toi à ce genre de situation. Donc, c'est à ce niveau-là, tu dois juste être conscient des défis qui peuvent venir avec. Maintenant, si je parle d'un autre cas de figure, admettons, l'homme, tu as, je ne sais pas moi, tu as peut-être 40 ans et tu décides d'épouser une femme de 20 ans. Encore une fois, c'est ton choix. On n'est pas là pour juger qui que ce soit, mais ça peut venir avec certains défis. C'est deux générations complètement différentes. Ces deux générations complètement différentes, vous risquez de vous perdre dans votre relation, dans les choses que lui, il comprend et connaît, et dans les choses que elle, elle comprend et connaît. Il peut y avoir un tel écart qu'au C'est final, ça. ça crée même de la division, en fait. C'est ça, c'est que Ouais. tu veux tellement que la personne soit comme tu le veux, mais il faut comprendre que Vous n'êtes pas dans la même vous époque, n'êtes là, pas dans dans ta la même tête. époque. Il y a des choses qu'elle ne pourra juste pas te Ouais. donner. Il y a des choses qu'elle pourra juste pas te donner. Alors Ouais. là, c'est là que ça nous pousse encore à réfléchir. Est-ce que réellement je suis en train de faire le bon choix? Pourquoi est-ce que je suis en fait attiré vers elle? Ouais. Est-ce que c'est réellement pour des raisons nobles, Ouais. saines, ou bien il y a d'autres choses qui sont en train de m'influencer à aller vers cette personne-là? Ouais. Vraiment, tu as 40 ans. Tu pouvais pas trouver une femme de 35 ou bien de 37. On ne sait pas. Si Comme on Dieu l'a t'a dit, si Dieu t'a convaincu. convaincu, c'est que tu t'as convaincu, c'est absolument ça. Ouais. Mais il faut vraiment, 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 vraiment faire attention. Super. Alors, prochaine question. Ben, vous comprenez aussi qu'il y a d'autres questions. Bon, Oui, si je vois qu'on y a déjà on a répondu, je déjà répondu, donc passe. on passe. Il y a beaucoup de questions qui se répètent, hein. Ouais. OK, on va parler de ça. Comment rester soumise à son mari tout en lui exprimant son désaccord sur une situation? Très bonne question. Et ça, je vais te dire, c'est un de mes meilleurs enseignements sur le groupe Femmes Exceptionnelles. J'en parle tellement. Et là, je vais te répondre brièvement. Mais franchement, même les autres, hein, comme le temps, il reste à peine 15 minutes au live. Donc, on ne pourra pas répondre à tout le monde. N'oubliez pas de nous rejoindre sur nos plateformes privées, Femmes Exceptionnelles au femmesexceptionnelles.ca, OK, au pluriel, femmes et exceptionnelles aussi au pluriel, ou bien pour les hommes, hommesdistingués.com, OK, hommes au pluriel, distingués.com au pluriel aussi. Voilà. Comment rester soumise à son mari tout en lui exprimant son désaccord sur une situation? Comment rester soumise? Alors, il faut déjà comprendre c'est quoi la soumission. La soumission, et là, je vais vraiment faire une précision. On ne parle pas de la soumission selon ce que le monde pourrait nous faire comprendre de ce mot-là, soumission. Parce que quand on regarde, par exemple, la définition qui est dans le dictionnaire, ben, immédiatement, ça rappelle en fait cet état d'esclave, OK? Et ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour nous, mesdames. C'est Il ne nous ça. appelle pas à devenir des esclaves pour nos maris. OK, et je pense que même les maris n'ont pas besoin d'esclaves dans leur maison. En tout cas, ils ne veulent pas une épouse pour esclave, ça c'est clair. OK? Pas du tout. Donc, si le Seigneur nous demande d'être soumise à nos maris, il faut déjà comprendre que c'est quelque chose qui est demandé à tout le monde, pas juste à nous les femmes, mais même aux maris. La Bible dit, soyez soumis les uns aux autres. Donc, même lui, il est appelé à être soumis vraiment. On est tous appelés à être soumis aux uns aux autres. So, c'est quoi en fait la soumission selon la parole de Dieu quand on regarde tout ça? En réalité, je vais faire ça très simple. Sur le groupe, je pourrais développer davantage, mais là, à cause du temps, je vais être très bref. Être soumise à ton mari, c'est simplement lui démontrer du respect. C'est simplement le respecter en tant qu'homme, en tant que ton chef, en tant que ton leader, en tant que ton mari, en tant que ton roi. C'est simplement ça. Si tu es capable de pouvoir manifester ton désaccord, exprimer ton désaccord en respectant ton mari, c'est excellent. Mais si exprimer ton désaccord te pousse à le manquer de respect, à le rabaisser, à l'insulter même, alors là, tu parles. Parce que le problème n'est pas d'exprimer son désaccord. Je veux dire, vous êtes marié, vous êtes marié, et je suis son épouse. La Bible dit que Ève a été créée afin d'être l'aide de Adam, donc celle qui aide Adam. Quand tu aides quelqu'un, il faut que vous communiquiez. Il faut que chacun puisse partager son opinion face à la chose.
si je dois être une aide efficace, c'est que je dois être capable de dire lorsque je suis d'accord ou lorsque je ne suis pas d'accord face à une situation, face à une décision et ainsi de suite. Soit la question n'est pas d'exprimer son le problème n'est pas d'exprimer son désaccord, mais c'est la façon dont on le fait. La manière dont on le fait. Tu peux exprimer ton désaccord tout en restant soumise, donc tout en restant respectueuse. Respectueuse. Et comment est-ce qu'on reste respectueuse? Ça peut être avec les mots, premièrement, que tu vas employer. Il faut bien choisir les mots quand tu exprimes ton désaccord. Il faut bien choisir le ton de ta voix quand tu exprimes ton désaccord. Mm-hmm. Il faut même choisir tes expressions faciales quand tu exprimes ton désaccord. Mm-hmm. Il faut veiller à tout ça. Je veux dire, quand tu es rendu à faire ça, là... Hey. Et là, tu vas me dire, ben là, Nifa, c'est beaucoup de choses sur quoi je dois veiller pour réellement être quoi? Être respectueuse, là, parce que quand je suis énervée, je suis énervée. Ben, de un, viens écouter notre atelier sur la guérison des blessures émotionnelles, parce que souvent, lorsqu'on n'est pas capable de gérer nos émotions, c'est parce qu'on a des choses à l'intérieur de nous qu'on doit régler, OK? Deuxièmement, laisse-moi te dire que tu es capable. Tu es capable, parce que quand on bosse au travail, t'énerve, là, t'es capable de gérer ta voix. T'es capable de gérer tes mots. Mm-hmm. Des fois, même, tu vas même pas montrer ton désaccord. Des fois, tu vas te taire parce que tu veux pas perdre ta job. Donc, t'avales ta salive. Oh oui, tu l'avales très bien. Oh, oui, comme tu ravales tes mots. Oh, oui, alors que ton boss au travail, ton supérieur, là-bas, t'a énervé sérieusement. Oh, mais, oui. Mais là, t'es capable de te contrôler parce que c'est la job. Ton mari, là, c'est plus que le supérieur au travail. C'est plus que la job. C'est plus que... je ne sais pas, le professeur même à l'école, n'importe quel autre leader, parce que tu as d'autres leaders dans ta vie. Des fois, on est comme, oh, pourquoi c'est lui le chef? Pourquoi c'est lui le leader? Non, non. Mais tu as plein d'autres leaders que tu respectes. Pourquoi ton mari, qui est avec qui tu formes un, ça doit devenir un problème? Des fois, tu ne te poses même pas la question pourquoi il est leader. T'acceptes seulement. C'est un truc établi, t'acceptes seulement. T'acceptes. Pourquoi, ouais. Pourquoi au travail, tu ne demandes pas pourquoi ce n'est pas toi la chef du travail? Pourquoi tu ne cherches pas à être la directrice de l'entreprise au travail? Rentre dans le bureau de ton patron, dis-lui, mais non. C'est moi la chef. Tu te lèves, tu pars à mon poste, moi je prends ton bureau. Non, fais-le, fais-le. Au après, travail, tu n'as aucun problème. Fais-le, après écris-nous qu'est-ce qui s'est passé pour la suite. Dis-nous après. Dis-nous qu'est-ce qui s'est passé, juste la vraiment. Séquence qui suit celle-là. Juste dis-nous qu'est-ce qui s'est passé après. C'est voilà. C'est incroyable. Mais quand vient le mariage, quand vient ton foyer, c'est là que les choses deviennent un problème. Pourquoi? À cause de la familiarité. Tu ne vois pas ton mari comme quelqu'un qui mérite d'être respecté. Tu ne vois pas ton mari comme réellement ton roi, comme quelqu'un qui est ton chef, comme quelqu'un que tu admires, comme quelqu'un... Tu ne peux pas respecter quelqu'un que tu n'admires pas. Tu ne peux pas respecter quelqu'un que tu ne valorises pas. Et tu ne peux pas respecter quelqu'un que tu ne places pas dans cette position d'autorité dans ta vie. Oh là là. C'est pour ça. C'est ça. Mais le jour où tu vas changer le regard que tu as envers ton mari, c'est le jour où tu vas lui être soumise et tu vas lui respecter, même si tu vas verbaliser ton désaccord. Et j'ai hâte d'entendre de tes nouvelles sur le groupe. Ah oui. Ah oui. Donc, je m'arrête là pour cette question. Il y a tellement à dire. Il y a tellement, tellement à dire. All right. OK. Attends, j'avais vu quelque chose. OK, rapidement, celui-là quand même, c'est important. Merci pour tout ce que vous faites. Que faire lorsque la violence rentre dans le couple? C'est très important qu'on puisse parler de ça rapidement avant que le temps s'écoule. Pourquoi? Parce que c'est tolérance zéro. Let's say it like that. C'est tolérance zéro. Tolérance zéro. Que faire? Protège ta vie. Protège ta vie si tu es dans un foyer avec, souvent c'est les maris, donc je parlais des hommes, avec un mari qui est violent et tu sens que ta vie est en danger, tu sens que tu meurs à petit feu, peut-être même juste de l'intérieur, tu dois absolument crier à l'aide. À l'aide. Crie à l'aide. Si même tu es là, envoie-nous un message après le live. On va te référer des personnes, des centres, des gens qui vont pouvoir t'aider. Mais écris-nous. Ne reste pas toute seule. Speak up. Parle. Nous, on est totalement contre la violence conjugale. OK? Donc, il faut absolument protéger ta vie et peut-être même protéger la vie de tes enfants si vous en avez. Et sortir de là le plus vite possible.
Après, le Seigneur est capable de faire grâce. Ça veut dire qu'on ne t'a pas envoyé nécessairement divorcer. Le Seigneur est capable de faire en sorte que ton mari change et que vous vous remettez ensemble. Donc, tu sors pour protéger ta vie, mais ensuite, après que vous ayez cherché de l'aide tous les deux, si le Seigneur, c'est dans sa volonté, bah, vous pourrez vous remettre ensemble et continuer à cheminer. Mais la première chose, protège ta vie. Après, si vous devez revenir ensemble ou pas, on verra. Mais la première chose, s'il vous plaît, ne reste pas dans cette situation. OK? OK? Voilà. Chérie, tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Il faut faire attention et je dirais même à un homme, c'est vrai, avec la colère et tout, tu as fait ce que tu as fait, mais il faut comprendre que tout ce que tu appliques envers ta femme, c'est enregistré dans son disque dur. Ah oui. C'est vraiment ça que je voudrais te dire. C'est enregistré dans son disque dur, qui veut dire que même quand, je veux dire, vous allez vous séparer et puis peut-être vous revenir ensemble, il y a un travail additionnel que tu vas devoir faire pour que les choses qu'elle a vécues, les coups qu'elle a endurés, que ça puisse réellement partir et qu'elle se ressente en sécurité avec toi. Alors c'est vraiment beaucoup, c'est facile détruire, mais rebâtir, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Ouais. Alors, on peut en discuter en Ouais. long et en large, dans Hommes distingués. Ouais. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour qu'on ne puisse pas arriver au coup. Voilà. Très important. OK, il reste à peine 4 minutes à la vidéo. Quel est le meilleur conseil que vous pouvez donner aux célibataires qui sont là? Ah, les célibataires. Très rapidement. Premièrement, on est en train de prier très fort le Seigneur, Ouais. que le Seigneur nous donne quelque chose de totalement extraordinaire pour vous en cette année Il le fera. de confinement. Il le fera. Qu'est-ce qu'on peut dire à un célibataire? Comme j'aime bien dire, tu es encore une page blanche. Tu es réellement une page blanche. Il y a encore du temps. Il y a de l'espace pour écrire sur toi. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut tout simplement dire que apprends au maximum tout ce que tu as besoin d'apprendre, pas seulement par rapport aux relations amoureuses, le mariage et autres, mais par rapport à ta propre vie. Il y a tellement de choses que tu peux encore acquérir, il y a tellement de choses que tu devrais encore aspirer à apprendre avant de réellement entrer dans ce chemin du mariage. Donc, du coup, il est extrêmement important pour toi, excusez-moi, surtout les jeunes hommes, de vous former, de vous forger un caractère, de réellement apprendre sur votre destinée, apprendre sur votre appel, apprendre sur vos forces et vos faiblesses, parce que ces choses-là vont ultimement ouvrir la porte vers votre prochaine saison qui est le mariage. Donc, vous êtes encore une page vierge, il y a de l'espace pour écrire. Instruisez-vous. Exactement. Et moi, j'aime ça quand les femmes exceptionnelles sont des célibataires aussi, parce que c'est le meilleur moment pour se former, c'est le meilleur moment pour en apprendre, c'est le meilleur moment, comme Joey a dit, d'en apprendre sur le mariage, mais aussi sur vous-même. Et le conseil, j'ai plein de conseils à donner. Je pense que Joey aussi, on a énormément de conseils. On a énormément de conseils à donner. On a beaucoup de conseils à donner aux célibataires, vraiment. On a beaucoup de conseils à donner aux célibataires, mais très rapidement, parce qu'il reste à peine 1 minute et demie à cette vidéo, ce que je peux vous dire, c'est de vous assurer que là où vous êtes, quand vous vous regardez dans le miroir, vous pouvez attester que vous êtes des hommes et des femmes de valeur. Pourquoi? Parce que si toi-même, tu n'es pas capable de l'attester, ça va être dur pour toi de faire en sorte que l'autre que tu vas épouser l'atteste. Il faut que quand tu te maries, la personne dans sa tête réalise que waouh, un cadeau m'a été donné. Et toi aussi, quand tu te donnes dans un mariage, tu dois avoir cette conviction que waouh, je me donne à quelqu'un, donc je suis un cadeau que quelqu'un est en train de recevoir. Mais si tu doutes de ça, il y a des chances que la personne abuse de toi ou peut-être même juste ne te valorise pas au niveau où tu devrais être valorisé. Et ça, c'est pas bon. Il n'y a rien de mieux qu'un mariage où je le vois comme mon plus beau trésor et il me voit comme la plus belle chose qui lui est arrivée. Ça doit être réciproque et vrai. Réciproque. Cependant que tu es célibataire, travaille pour être cette femme qui sera, ou un homme, qui sera un véritable trésor dans la vie de ton futur mari ou de ta future femme. Alright. Alors, ceci conclut La première la première saison. saison
du Double Date. Merci d'avoir participé. Yes. Merci d'avoir partagé. Yes. Franchement, restez connectés à Couronnée d'amour. Yes. Restez connectés à nos comptes personnels d'Instagram. Ouais. Prince Joica, Princesse Nifa. Restez connectés parce que, écoutez, l'année, on est dans la deuxième moitié de l'année. Ouais. Il y a des choses qui vont arriver. Alors, n'oubliez pas de partager. On vous fait une petite pause pour que vous puissiez partager encore. Donc, tu fais un screenshot et tu partages, tu nous tagues et à partir de là.